Alors, ça se passe très très bien. On peut... Ah, pardon. Je ne sais pas ce que j'ai fait pendant les 100 jours, mais je sais ce que j'ai fait pendant 2 ans, en fait. Et du coup, cette entreprise a été labellisée Entreprise du patrimoine vivant, ce qui est une belle reconnaissance pour l'entreprise, et c'est ce que j'ai entrepris en arrivant. Le chiffre d'affaires est en nette progression depuis 2 ans. L'ensemble des indicateurs économiques, en définitive, sont en nette progression depuis 2 ans. Donc on a été labellisé Entreprise du patrimoine vivant. On va finir de refaire le site internet dans 1 mois. On a énormément investi cette année avec des nouvelles machines. Et ça, c'est aussi une réussite que d'arriver rapidement à se projeter dans l'environnement technique de l'entreprise. Parce que moi, les impressions UV ou autres, les flatbeds et les têtes d'impression, je ne connaissais pas ça du tout il y a 2 ans. En revanche, et il faut avoir ça aussi en tête, parce que je sais que la mode est beaucoup aux entreprises du patrimoine vivant, à l'artisanat et autres. La vraie grosse difficulté de cette entreprise, que je n'avais pas forcément cernée, c'est les problématiques de recrutement et de ressources humaines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un métier dans mon entreprise pour lequel il y a une formation réelle en école, quelle qu'elle soit, que tout s'apprend sur le tas dans les entreprises, qu'on ait très peu d'entreprises à faire ce métier, donc il y a un vivier qui est extrêmement faible, et que dès que j'ai un besoin de recrutement, c'est une vraie problématique qui est la seule qui puisse m'empêcher de dormir quasiment pour cette entreprise. Je voudrais à nouveau remercier Marie-Cédrine pour son témoignage. Donc merci de votre attention. L'équipe CERA est là pour vous accueillir, pour que vous dialoguez avec nous et que vous preniez conscience de l'importance de l'accompagnement et de la qualité que l'accompagnement CERA peut vous apporter. Merci à tous. Merci.